Donc là, on va passer sur autre chose. Un truc que j'apprécie vraiment, c'est les couteaux. Là, un couteau japonais. Voilà. Que j'ai acheté. Pareil, on ne change pas. Hein. D'habitude, hein, sur AliExpress. Bon, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voilà. Ça coupe, mais alors un truc de fou. Donc je vais essayer de trouver un truc à couper avec Donc ça. là, Je prends un truc hein, vite fait. j'ai pris une feuille de journal. Hein. Voilà, classique. Hein. Voilà, hein. Barbezieux, Sud-Barbezieux, la Charente libre. Bonjour à toi, Guy. Voilà, quand tu verras cette vidéo, tu penseras à moi. Geneviève aussi. Allez, on va faire le test. Hein. Ça coupe, c'est un rasoir. Hein. Alors là, faut faire attention. Hein. Donc voilà, ça c'est super. Là, le prix, c'est pareil, je vous le mets en description hein, dans la vidéo. Après, j'avais acheté ce petit couteau. Voilà. Alors ça. C'est pareil, ça coupe super bien ça. Voilà. Donc ça, j'avais acheté ça. Je voulais en prendre 6. Pour quand on est en famille, on mange de la viande, avoir au moins des couteaux qui. Ça commence à bien faire. Il y en a marre, des couteaux de merde. Donc j'avais pris ça, j'en ai pris un pour essayer. Et ça, c'est pareil, ça va super bien. Le prix sera dans la description. S'il me semble bien, c'est dans les 8 euros. Voilà. Après, j'ai acheté celui-là. Celui-là, je l'ai acheté un peu moins cher. J'ai dû l'acheter en 3 euros. J'ai acheté les deux, celui-là et celui-là, en même temps, pour faire l'essai. Très bien. Le prix, même finition dans la description. Après, j'ai acheté, je vous montre tout de suite, le petit pack. Il y en a 6. Voilà. Alors, ils sont magnifiques. Et puis alors, ce que j'apprécie, c'est la petite protection au bout. Voilà. Parce que là, on se pique pas, on peut pas se couper. Parce que alors, si je l'enlève, il y a un pointu qui est alors vraiment, on peut voir, hein, extrême. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Alors. Pour ceux qui aiment cuisiner comme moi, alors là, ça, même pour un cadeau, hein, alors là, c'est excellent. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais alors ils ont tous hein, un reflet comme ça. Le lien sera dans la description et je pense pas que c'est utile que je fasse une autre démonstration de coupe. Je l'ai déjà fait sur les autres pour montrer comment que ça coupait. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Ça coupe vraiment très très bien. Et en cadeau, parce que moi j'aime bien les cadeaux, j'ai eu un petit protège-doigts. Alors ça se met quand on coupe les oignons ou je sais pas quoi. Hein. Donc voilà. Ça se met comme ça. Et quand on passe avec le couteau pour couper à côté du doigt. Ah oui, parce que s'il n'y a pas ça pour les débutants, moi j'ai travaillé en cuisine, donc je sais comment on coupe. Hein. Quand on coupe, hein, en cuisine, on met les doigts comme ça, toujours en arrière. Et le couteau, il longe comme ça. Je pense que dans les abonnés, il doit y sûrement y avoir des cuisiniers ou n'importe quoi. Si je me plante, ils me le disent, hein, mais je pense pas. Hein. Donc voilà, toujours les doigts en arrière et on longe comme ça. Voilà. Parce que si on fait ça, ben, ça mange dans la viande. Des couteaux comme ça, ou même les autres, ça aime la viande. Voilà. Donc, moi, ça, je m'en sers pas. Bon, c'est un petit cadeau, c'est toujours sympa. C'est le geste qui compte, hein. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, positifs ou négatifs. S'il y a des choses à redire, dites-le-moi. Et puis voilà. Merci et à la prochaine.